Bonjour, nous allons maintenant parler de produire en France, produire français. Et pour en parler, je reçois deux personnes. Gilles Attaf, vous êtes président d'Origine France Garantie. Et puis Julien Vialard, vous êtes directeur aux affaires publiques Origine France Garantie. Alors avant de pour préparer cet entretien, je suis allé sur votre site. J'ai noté une phrase, c'est « Une réindustrialisation massive ne sera pérenne que si elle répond à une demande du marché français ». C'est un peu votre leitmotiv, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est quoi la spécificité de l'acheteur français ? Eh bien, écoutez, l'acheteur français, il est multiple déjà. On relève trois marchés intérieurs sur le marché français, à la fois le marché grand public, donc ce qu'on appelle B2C, le consommateur final, le marché professionnel, donc l'achat entre les entreprises, et enfin la commande publique, parce que l'État est un acteur de ce marché. Et ce que l'on dit, nous, donc chez Origine France Garantie, c'est que c'est bien de réindustrialiser, mais il faut réindustrialiser en répondant à une demande. Parce que si on réindustrialise et que derrière, il n'y a pas l'achat de produits, eh ben, les entreprises sont vouées à perdre en chiffre d'affaires et à ne pas perdurer dans le temps. Donc pour nous, c'est vraiment très important de dynamiser le marché français pour répondre à cette problématique de l'offre industrielle. Mais là, vous m'avez décrit un petit peu les différents acteurs intéressés, mais est-ce que le marché français a une spécificité par rapport au marché italien, au marché espagnol, au marché allemand ou américain ou Alors, chinois ? Il n'a pas forcément de spécificité, mais il est très important. Déjà, au regard de la balance commerciale française, on voit qu'on est ultra déficitaire parce qu'on n'arrive pas à produire des biens et à les acheter sur le marché intérieur français. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est que au lieu d'essayer de s'éparpiller à acheter à travers le monde, déjà pensons à réindustrialiser, donc à remettre une offre industrielle sur le territoire français pour que derrière ce marché soit actif et qu'on puisse réduire notre balance commerciale en réduisant nos importations. Et ça veut dire que les Français, s'ils n'ont pas une spécificité, ils sont quand même sensibles à ce message d'acheter français ? Gilles. Alors oui, mais c'est vrai que pendant des décennies, on leur a dit qu'on produisait plus en France. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut que de nouveau, ils aient la capacité de se dire on a envie de faire nos choix, on a envie de participer à quelque chose d'important qu'est la réindustrialisation, participer au modèle social français, et on peut encore acheter des produits fabriqués en France. La problématique, c'est que pendant des années, l'acheteur français a perdu son patriotisme parce qu'il n'y avait plus d'offres. Donc il n'avait pas le choix, il était obligé d'acheter des produits. Des filières ont été totalement démantelées, comme les filières textiles aujourd'hui. Donc le consommateur français, il est prêt aujourd'hui à de nouveau acheter un produit en local, parce qu'il y a un vrai sujet, c'est aujourd'hui la convergence entre le produire en France et l'écologie. Quand vous produisez en France, vous produisez sur un marché intérieur en local, et donc il y a cette sensibilité vertueuse qui fait que quand on produit local, on est plus vertueux que si on produit au bout du monde. Donc le consommateur a envie de ça aujourd'hui, et il a envie de traçabilité aussi. Et le consommateur français n'était pas habitué à ça, et de nouveau il revient sur ces sujets. On a le même mouvement en fait que dans l'agroalimentaire, où c'est vrai qu'on préfère acheter local quelque part, on sent que c'est un petit peu mieux. Ils ont cette sensibilité sur les produits manufacturés. Ils commencent à l'avoir, quoi. Absolument, et il est temps. Hein. Je vous rappelle qu'on est descendu à 9% sur les produits manufacturés du PIB dans l'industrie, donc c'est absolument catastrophique. Donc cette dynamique, il faut qu'elle soit reprise en main, effectivement. Sur l'agroalimentaire aussi, il y a eu cette prise de conscience. On a envie de consommer local, des produits à côté de chez soi. Donc maintenant, sur l'industrie, c'est un peu le même sujet. En fait, il faut que les territoires prennent en main la production, se réindustrialisent et qu'on ait une offre pour le consommateur. Encore une fois, comme le disait Julien, juste à titre tout à l'heure, encore faut-il qu'il y ait une offre aussi pour que le consommateur ait envie de consommer français. Alors justement, comment il sait que c'est un produit qui est véritablement français ? C'est là toute la difficulté. Nous, ce qu'on dit, c'est que, pour revenir sur la question précédente, c'est que l'acheteur français, il a envie de plus en plus d'acheter français, mais il peut de moins en moins. Il le peut de moins en moins pour deux raisons. La première raison, c'est déjà par rapport au pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, un produit français dans les biens communs coûte parfois plus cher, en effet, que des produits importés. Et donc, c'est un problème économique, mais aussi un souci d'identification. C'est-à-dire, acheter français, c'est bien, mais quand on ne sait pas ce qui est français ou non, comment faire pour vraiment acheter français ? Et donc là, vous avez deux catégories. Vous avez la mention Made in France, qui est régie par le Code des douanes de l'Union européenne, et vous avez Origine France Garantie, notre certification qui certifie l'origine française de fabrication des produits pour indiquer aux consommateurs ce qui est fabriqué en France ou non. D'accord. Donc en fait, vous me donnez déjà ma réponse, parce que moi, je pensais au Made in France. Donc vous en avez créé un nouveau label. C'est ça, vous êtes en train de m'expliquer, quoi. Alors, c'est une certification. Parce que Made in France, on le connaît tous. Ouais. Vous, c'est quoi ? C'est Origine ? Origine France Garantie. Donc Origine France Garantie, en fait, c'est une certification qui a été créée il y a 10 ans, qui est portée par une association à but non lucratif et qui certifie l'origine française de fabrication des produits en se basant sur deux critères. Un premier critère, c'est que 50% à 100% du prix de fabrication du produit doit être d'origine française. Et un second critère, c'est que les caractéristiques essentielles du produit doivent être acquises sur le territoire français. En gros, que l'ensemble des étapes de fabrication du produit sont bien réalisées en France.
Il faut savoir que le Made in France, c'est déclaratif. C'est-à-dire que si vous estimez que vous avez une opération substantielle qui est faite sur le territoire français, vous pouvez vous dire Made in France. Il n'y a pas énormément de contrôle, hélas, pas assez en tout cas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent l'image de la marque France pour vendre, comme quoi ça a une valeur, puisqu'on veut, on veut la porter. Nous, aujourd'hui, avec Origine France Garantie, on donne aux consommateurs le moyen de savoir qu'il achète un produit qui est réellement fabriqué sur le territoire français. Parce que c'est une certification. Donc, il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants qui font l'audit du produit, que ce soit l'AFNOR ou Veritas, qui vont effectivement sur les sites, qui font un audit documentaire pour être sûr que le produit est réellement fabriqué en France. Parce que le consommateur, il veut de la traçabilité. Aujourd'hui, c'est vrai sur l'agroalimentaire depuis un certain temps. Maintenant, c'est vrai sur tous les produits manufacturés. Alors, vous allez revenir un petit peu dessus parce que vous m'avez tout envoyé comme ça. Moi, j'ai besoin de décortiquer un petit peu sur vos critères. Vous avez dit 50%, mais c'est... On peut le découper déjà, 50% produit en France, c'est ça ? C'est... Du prix de fabrication. Le prix de fabrication, pour nous, c'est les frais de main-d'œuvre, les frais de matière première, tout ce qui va être frais de R&D plafonné à 10% pour ne pas tomber dans un coût de recherche et développement, tout ce qui va être packaging primaire. Alors le packaging primaire, c'est le packaging indispensable à la commercialisation du produit. Par exemple, un pot de yaourt, bah, le pot, ou un tube de dentifrice, le tube. Tout ce qui va être frais d'amortissement des machines, frais liés au site de production en lui-même, donc eau, électricité, gaz, impôts fonciers, et on s'arrête là. Derrière, tout ce qui est coût de communication, marketing, stockage, commercialisation, distribution, tout ça, c'est exclu du calcul, c'est vraiment le prix du produit sorti d'usine qu'on prend en compte. Ça veut dire que si j'ai un produit que j'estime, entre guillemets, être français pour vous, c'est 50%, c'est ce que vous venez d'expliquer, donc je peux intégrer pour les 50% qui restent des composants électroniques qui vont venir... on n'a plus de composants électroniques en France. On n'a pas le choix, il faut un moment peut-être, même si on a de très bons fournisseurs, on avait la présidente de STMicro hier à votre place, donc on a très bons produits en France, mais bon, ça veut dire que ça laisse 50% de marge pour acheter des produits ailleurs, ou des composants, ou des parties, mais il faut vraiment que sur la conception, c'est 10%, c'est ça du calcul, il y a tous ces ratios-là. C'est ça. En fait, ce qu'il faut avoir à l'heure actuelle en tête, c'est que le 100% Made in France, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Même la pomme que vous cueillez de l'arbre, vous pouvez décortiquer les coûts. La semence, elle peut venir de l'étranger. L'engrais utilisé peut venir de l'étranger. La cagette de transport peut venir de l'étranger. Il y a tellement de variables, en fait, dans l'industrie à l'heure actuelle. On est tellement mondialisé que le 100% Made in France, c'est quasiment impossible à atteindre. Il y a des entreprises qui arrivent encore, hein, je vais pas dire le contraire, mais c'est de l'ordre vraiment du miracle, voire de l'exploit, voire du miracle plutôt. Et nous, on s'est dit, voilà. Quel serait le bon vecteur pour dire qu'un produit est bien fabriqué en France? Donc on a pris un premier critère qui est en effet 50% du prix de fabrication en prenant en compte l'origine de la matière première dedans. Et le deuxième critère, nous, se concentre vraiment sur les étapes de fabrication. Et c'est pour nous le plus important. C'est en effet, les matières premières, ça fait vivre des sous-traitants de rang 1, rang 2, voire rang 3, etc. Mais c'est surtout la fabrication et les étapes de fabrication qui sont essentielles, qui sont très importantes pour définir ce qu'est un produit fabriqué en France. Alors, on m'a un peu répondu rapidement, mais qui fait la police? On m'a dit Veritas et autres. Alors, savez, non, comment organiser cette police? Parce qu'on est habitué en France avec ce genre d'approche à avoir des dérives. Non, nous, pour avoir la certification Origine France Garantie et un numéro qui est propre à votre gamme de produits, nous, on certifie des gammes de produits, pas des sociétés. Je prends toujours l'exemple de la Yaris Cross. On a certifié à Valenciennes la Toyota Yaris Cross. C'est pas Toyota qui est certifié, c'est la Yaris Cross, avec un numéro qui lui est propre. Donc, pour utiliser le logo Origine France Garantie, il faut mettre son numéro de certification en plus du logo. Après que l'audit ait été fait par des organismes indépendants, vous ne pouvez pas utiliser, comme le Made in France peut être utilisé, la certification Origine France Garantie si vous n'avez pas été audité avant. Donc on n'a pas besoin d'avoir des contrôles, puisqu'on ne peut pas l'utiliser sans avoir un numéro qui vous est propre. Et donc après, on peut être dénoncé. Et la vérification. Oui, mais à un moment, il y a peut-être l'effet d'aller voir, comme pour votre Yaris. Alors Yaris, bon, je fais confiance à Toyota là-dessus, mais on peut avoir une entreprise plus petite qui peut avoir tendance à avoir une évolution au fil du temps sur ces produits et qui voudrait garder le logo, quoi. Alors vous l'avez pour 4 ans, la certification, on l'a pour 4 ans, mais chaque année, il y a un audit qui est refait pour vérifier que vous êtes toujours dans les critères. Donc ça, c'est pour nous très important. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est rassurer le consommateur, qu'il ait de la transparence et qu'il sache que lorsqu'il achète un produit certifié, il a réellement été fabriqué sur le territoire français. Vous savez, on part de très très loin. Hein, on peut estimer que c'est pas assez exigeant. Beaucoup nous trouvent trop exigeants, hein, par rapport justement au Made in France classique. Mais on part de loin. Donc déjà, 50% de la valeur ajoutée d'un produit sorti d'usine, vous vous rendez compte que c'est très important aujourd'hui dans l'état actuel de notre industrie.
et je voulais juste rajouter, on alterne en fait audit documentaire et audit sur site de production. Donc les auditeurs vont vraiment sur les sites de production pour vérifier que c'est bien fabriqué en France. Et après, le cahier des charges s'adapte en fonction des produits que l'on a à certifier. On est multisectoriel, on peut certifier des autobus comme de l'agroalimentaire, de la menuiserie, du plastique, etc. Et donc évidemment, les règles de l'agroalimentaire sont différentes et voire plus pointues que les règles pour les autobus, etc. Ça dépend vraiment des produits. Ça coûte combien ? Demain, je fabrique des produits, j'ai envie d'avoir votre logo. Là, vous m'avez donné envie. Ça a l'air sérieux, non pas que je mette en doute. Hein. Mais bon, je me dis, ça me coûte combien pour rentrer et avoir ce label ? Alors, en effet, il y a un coût. Le coût, il est établi sur 4 ans et il dépend de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le nombre de gammes de produits qu'on veut faire certifier. Le deuxième facteur, c'est la complexité de fabrication de votre produit. Parce que certifier une pomme et un autobus, ça ne prend pas le même temps, c'est pas la même chose. Et le troisième facteur, c'est le nombre de sites de production qu'il y aura à auditer pour l'organisme certificateur. Dans le coût que vont devoir payer les entreprises, vous avez deux coûts, donc vous avez partie organisme certificateur qui représente environ 80% du coût. Et ça, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Et après, vous avez partie redevance de marque qui est payée à l'association pour qu'on ait un budget de fonctionnement et qu'on puisse faire la promotion d'Origine France Garantie. Et ça, c'est calculé par rapport au chiffre d'affaires annuel des gammes de produits certifiés. Si vous êtes une TPE, que vous faites moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires sur la gamme de produits, vous ne payez pas de redevance. Pour vous, on estime que vous êtes une petite marque et que vous n'avez pas à payer. Entre 50 et 100 000 euros, c'est 100 euros par an. 100 000 et 250 000, 200 euros par an, etc. Jusqu'à arriver à plus d'un milliard de chiffre d'affaires, là, c'est 10 000 euros par an. Et ensuite, la partie audit, c'est vraiment propre à chaque entreprise, autant que l'auditeur va devoir passer sur votre dossier. Mais nous, ce qu'on relève, c'est que pour une TPE, moins de 10 salariés, moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et au maximum 2 sites de production audités, le coût moyen de la certification, c'est environ 1 000-1 500 euros par an. Et il y a des certifications que vous refusez qui ne sont pas conformes, il y en a beaucoup, c'est quel pourcentage ? Alors, nous, on a deux types d'entreprises qui viennent nous voir. On a l'entreprise qui fabrique en France pour qui c'est inscrit dans son ADN et qui arrive parfaitement à se faire certifier parce qu'elle respecte les règles. Et puis, vous avez l'entreprise qui a remarqué que le critère de l'origine de fabrication du produit, c'est le troisième critère d'achat du consommateur français à l'heure actuelle derrière la qualité et le prix, et qui essaye de se raccrocher au wagon de l'image de la France, que ce soit par une étape de fabrication, le conditionnement ou autre. Et ce qu'on relève, c'est qu'en moyenne, les entreprises qui viennent nous voir connaissent le sérieux de nos certifications et donc savent très bien qu'elles doivent respecter le cahier des charges pour se faire certifier. Et donc, nous, on fait un tri au début. On nous pose des questions. Est-ce que je fais ça en France, ça, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas ? Et donc, au lieu de leur dire, allez-y, engagez-vous dans la certification, payez, mais en sachant très bien qu'elles ne vont pas l'obtenir, on leur dit, non, oubliez, ce n'est pas fait pour vous. Donc, ce qu'on relève dans la prospection, c'est qu'en moyenne, 20% des personnes qui nous contactent ne peuvent pas rentrer dans les clous de la certification. Oui, ça veut dire quelque part, vous avez un début d'audit, entre guillemets, et pour leur dire, si vous faites ça, ça peut passer, si vous faites pas ça, ça passe pas. En fait, on leur pose des questions avant, pour éviter de leur faire perdre du temps à nous et à eux, simplement. Aujourd'hui, ça représente combien d'entreprises, combien de produits ? Alors, c'est peut-être vague, parce que quand on parle de Yaris et de PME, on mélange peut-être des choses trop... Nous, on est une certification transverse. On travaille sur tous les secteurs d'activité. Hein. Donc, on a aujourd'hui à peu près 600 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie pour 3200 gammes de produits certifiés. Donc, en pleine progression, on a à peu près 20% de croissance. Aujourd'hui, on est un peu bridé par la capacité de nos organismes certificateurs à faire les audits, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des demandes, il y a une vraie volonté. On sent que vraiment les entreprises ont compris que le consommateur avait envie d'avoir une transparence sur la capacité, sur le produit tel qu'il est fabriqué. Donc, difficilement aujourd'hui on peut aller plus vite parce que encore une fois on a cette problématique de et on veut rester exigeant, hein. Enfin le but c'est pas de pas être exigeant, donc on a cette problématique effectivement de certification qui prend du temps et qui en fait est limitée par le nombre de certificateurs. Mais on est à peu près à 20% parce que la demande a été forte et puis explosée après le Covid, après effectivement cette demande. Et puis après cette forme de franco-lavage qu'on a pu assister, c'est-à-dire que beaucoup ont essayé d'utiliser l'immatériel de la marque France, le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, pour essayer de faire croire que les produits étaient fabriqués en France, comme quoi ça a une valeur et que le consommateur a envie de produits français. Mais du coup, c'est vrai qu'on a une demande qui s'est accrue ces derniers temps. Et vous partez du principe que tout le monde a envie de cette marque France ou au contraire, ça peut être un argument commercial un peu inverse en disant « Oh là, c'est produit en France, donc c'est plus cher ?» Parce que c'est ce que vous disiez au début. Alors vous savez, de toute façon, il y a appris, entre guillemets, pendant des années. Oui, alors il y a quand même un gros mouvement de consommer moins, mais mieux, des produits de qualité, des produits qui durent, des produits réparables, recyclables, en local. Vous savez, à partir du moment où on part sur cette idée d'économie circulaire, de toute façon, il y a
fondamentalement de la proximité. Et la proximité, c'est lié au territoire, donc c'est lié au Made in France. Donc cette mouvance qu'on sent bien venir dans tous les secteurs d'activité, elle va profiter à la production française. Donc c'est un argument commercial, clairement, aujourd'hui, et nous, on le fait valoir, hein, et notamment en B2B à l'export. Hein. Julien signalait tout à l'heure que notre balance commerciale continue effectivement à se creuser d'une manière très forte au niveau du déficit. Nous, on estime que la marque France à l'export peut avoir une vraie valeur. Donc nous, on encourage aussi nos entreprises à se faire certifier pour aller chercher des marchés à l'export, parce que l'imaginaire du Made in France à l'export, il est fort. Hein, et ça, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on soit fier de ça aussi, parce qu'on a tellement, pendant des années, été décrié sur la production, sur l'industrie, que en fait, l'image de la production française était plus bonne. Mais là, aujourd'hui, on sent qu'au-delà du luxe, qui a gardé cette image forte à l'étranger, ou je dirais dans une moindre mesure l'agroalimentaire, eh ben, on sent que le produit français à l'export, ben, il a une vraie valeur dans l'imaginaire du consommateur. Et ça, c'est important. Et vous, en tant qu'association, vous avez une action pour rendre, comme disait Montebourg à l'époque, il faudrait que les gens soient consommateurs, c'est-à-dire soient un peu impliqués dans cette approche-là. Vous avez des actions de communication ou autre pour vraiment dire aux gens, mais achetez français, ou vous avez juste le logo et vous dites ça va se faire tout seul. Est-ce que vous avez un peu les deux volets ? Alors nous, pas du tout. Aujourd'hui, on est au-delà d'une simple certification. Aujourd'hui, on est un mouvement. On a créé d'ailleurs un think tank qui est dirigé par Julien Vialard, qui est à mes côtés, justement pour travailler sur des propositions. Nous, on est force de proposition. On échange beaucoup avec le gouvernement en ce moment sur la réindustrialisation verte, parce qu'on a des idées. On essaie de faire passer des messages sur la commande publique. Hein, on estime que la commande publique doit être récupérée en grande partie par les entreprises françaises, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, alors que les Allemands au sein de l'Europe, comme nous, arrivent à récupérer leur commande publique. Donc nous, on fait un gros travail de lobbying, de visibilité aussi également. On essaye d'être présent le plus possible dans les médias, mais on demande aussi à nos adhérents vraiment de véhiculer l'image d'Origine France Garantie, et ça marche plutôt bien parce que c'est une vraie communauté Origine France Garantie avec vraiment des adhérents qui croient et qui ont envie d'être cohérents de bout en bout. Quand on est certifié Origine France Garantie, généralement il y a une démarche vraiment très forte, que ce soit RSE, que ce soit au-delà de juste du tampon. Je dirais que c'est une communauté Origine France Garantie qui est portée par tous ses adhérents. Et est-ce que vous avez, pour conclure, un indicateur, quelque chose qui me permettrait, moi, de me dire l'année prochaine, tiens, ça a eu son effet, on a produit plus en France. Est-ce qu'il y a un indicateur qui est en train de se créer qui permettrait de voir cette évolution en fait, d'intérêt pour des produits français? Alors déjà, vous savez, on a renversé la tendance. Hein, on a de plus en plus d'entreprises, d'usines qui ouvrent en France. Hein, on en fermait plus qu'on en ouvrait. De nouveau, on a cette capacité à ouvrir des usines en France. Il ne faut pas que ce soit arrêté par les problématiques énergétiques qu'on peut avoir en ce moment, ou par les problèmes de normes qu'on peut mettre pour empêcher nos entreprises d'ouvrir très vite des usines. Mais ça va dans le bon sens. Hein. Je crois que la balance, elle est vraiment, elle est bien partie. On est reparti sur une dynamique, parce qu'on sent que ce sujet est porté. Parce que c'est une bataille culturelle. Encore une fois, au-delà de l'industrie, c'est une vraie bataille culturelle de cohésion sociale. Quand on aura des usines en France, de nouveau, l'ascenseur social fonctionnera, la cohésion sociale sera loi. Vous savez que l'usine, c'est un formidable endroit où on peut évoluer dans sa région, dans son territoire. Donc, il faut avoir ça en tête. Ça, on est bien d'accord. Julien, vous vouliez peut-être le mot là-bas, là-dessus, sur un indicateur. En fait, il y a quelque chose qui existe. Pour moi, il y a un indicateur très simple. C'est quand on regarde les événements autour du Made in France, du terroir et de l'intérêt qu'ont les gens pour la production locale. On a vu le salon de l'agriculture la semaine dernière qui a eu un immense succès parce que les gens sont attachés à l'alimentation et au terroir, surtout au territoire. C'est pareil pour l'industrie. On voit de plus en plus dans les médias le sujet de la fabrication française et de la souveraineté nationale qui prend de l'effet, de l'ampleur. Et là, on a tout un travail, nous, de sensibilisation sur les métiers industriels aussi à mener pour justement pérenniser cet élan et que, comme l'a dit très justement Gilles, l'industrie française regagne la place qui lui revient dans la culture française. Et qu'on arrête de dire l'industrie, c'est moche, c'est sale, c'est des sous-métiers, etc. Non, bien au contraire, c'est très important. Et toute l'industrie est présente autour de nous dans cette pièce, on n'aurait pas de chaises, de pantalons, de chaussures. Et ça, il faut bien en prendre conscience, que l'industrie, c'est vraiment au cœur de notre société. Écoutez, c'est ce qui se passe tout au long de ce salon Global Industrie qui
C'est rempli beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'avoir parlé d'Origine France Garantie. On va suivre ça de près. On se retrouvera, bah, j'espère, l'année prochaine. Et puis, on va peut-être essayer de trouver un indicateur, un chiffre, je ne sais pas, quelque chose qui permettrait de voir que ça progresse. Même si je suis d'accord avec vous, on a vu que ça baissait. On a conscience que ça remonte, mais c'est il faut accélérer. Absolument. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup. Merci.